L'écoquartier Vidaillan à Balma prend forme. Les prairies de Balma, ce sont 3 bâtiments et 54 logements du T2 au T5. Des matériaux bruts, bois et métal, une isolation renforcée avec des planchers et des murs plus épais, le tout pour une réduction de la consommation d'énergie de près de 10%. Donc dans notre cas, on s'est raccordé au réseau de chaleur en important un système qui vient des pays nordiques, de Suède, qu'on appelle un module de chauffage, qui permet à chaque logement de fonctionner comme s'ils avaient une chaudière à l'intérieur du logement. Donc on a peu de réseaux dans les communs, il y en a tout qui va directement dans le logement. Si la résidence est à taille humaine, le quartier de la ZAC Balma-Gramont voit fleurir les projets immobiliers de toutes sortes, habitats, commerces ou bureaux, quid de la notion de densification. L'idée est de pouvoir garer son véhicule en sous-sol, avoir aucun véhicule aérien et retrouver les transports en commun qui sont proches. On a le métro qui a 5 minutes à pied, on va avoir des voies de bus et des zones de circulation intérieure à l'écoquartier qui sont en train de se mettre en place, qui vont être finalisées. Et l'idée justement est de mettre un maximum de personnes sans être trop dense pour avoir quelque chose d'invivable, de manière à ce que les personnes n'aient pas à se déplacer et utilisent les déplacements doux. Un mode du bien vivre ensemble qui a un coût à l'achat, comptez 245 000 euros pour un T4, soit un peu moins de 3 000 euros le mètre carré habitable.